Je suis souvent surpris du déficit d'image dont la jeunesse, par jeunesse j'entendrai aujourd'hui adolescents et jeunes adultes, souffre auprès de l'opinion publique. J'en veux pour preuve les commémorations de mai 68, dont on vient de parler, et on est évidemment dans l'université pour évoquer cet événement. À l'occasion de cette commémoration, on a entendu beaucoup, d'un côté, une survalorisation de l'engagement politique, idéologique de la jeunesse d'alors, une jeunesse qui était investie, motivée, prête à changer la société et même le monde. Et par contre-coup, on a entendu beaucoup de critiques sur la jeunesse d'aujourd'hui, qui serait, elle, par contraste, tout à fait dépolitisée, ne votant plus, ne militant plus. Une jeunesse qui serait désintéressée et détachée des enjeux de notre monde contemporain et qui préférerait l'addiction aux écrans et la passion immodérée pour les séries et autres fictions de l'imaginaire. Donc, on voit bien que dans le monde adulte, il y a une grande méfiance vis-à-vis de la culture des jeunes. Triple méfiance, je crois. D'abord, on considère que c'est une culture populaire, au mauvais sens du terme. Succès rime souvent avec suspect. Plus un événement, un objet culturel est planétaire, plus on doute de sa qualité. Deuxième critique, une culture qui serait une culture du divertissement, une culture de l'évasion, donc ludique, puérile, peut-être même immature. C'est une façon d'éviter de regarder les problèmes en face. Et enfin, troisième critique, la plus grave, je crois, c'est une culture de l'imaginaire. Et vous savez que dans la société française, pénétrée de 3 siècles de cartésianisme, on a toujours tendance à valoriser la rationalité, la scientificité, contre la créativité et l'imagination. Je pense, personnellement, au contraire, que la culture que se choisit aujourd'hui la jeunesse, les fictions qu'elle consomme et la façon dont elle les consomme est déjà une preuve de profond changement. Et je voudrais vous en donner quelques exemples. Je commence avec la dystopie. Pourquoi la dystopie ? Parce que c'est le genre préférentiel des ados et des jeunes adultes depuis une quinzaine d'années et qu'on la trouve absolument partout, dans les romans, dans les séries télé, dans les films et même dans les jeux vidéo. Or, la dystopie, c'est d'abord le lieu de la révolution, de la révolte, de la transgression. Comme vous le savez, si vous en avez lu, tous ces récits commencent par un événement fondateur, une épreuve, un test, un examen, parfois un baccalauréat, par lequel la société des adultes essaye d'imposer aux jeunes une place dans la société. Tu seras ceci, tu seras cela. Et le jeune, justement, refuse ce diktat, il choisit de diverger, d'être un divergent, quelqu'un qui ne veut pas mettre ses pieds dans une place qui aurait été définie en amont. Donc la dystopie, elle est très philosophique. C'est le pari contre le déterminisme, l'idée que tout est déjà joué à l'avance, le pari de la détermination, l'idée que tout est à faire et que c'est à moi de construire ma place, pas la société de la définir à ma place. Deuxièmement, la dystopie, c'est probablement de tous les genres littéraires l'un des plus politisés qui soit. Parce que c'est un lieu où on peut mettre en scène l'ensemble des questions de société. Les sujets politiques, la dictature, la surveillance, le contrôle idéologique, la manipulation, les fake news. C'est le lieu où on peut parler des révolutions scientifiques. Le clonage, les manipulations génétiques, la procréation assistée. C'est le lieu où on peut parler de tous les sujets écologiques, environnementaux, qui touchent aujourd'hui la planète, avec le grand boom des fictions post-apocalyptiques dans lequel des jeunes héros doivent affronter précisément les conséquences de ces questions écologiques. Donc, au lieu, loin d'être un lieu immature, la dystopie est, je crois, un laboratoire d'idées, un lieu où on peut convoquer les vieux modèles, les tester, en évaluer la pertinence, en contester la légitimité, et explorer de nouvelles voies, des formules alternatives. Alors on le voit bien justement dans les fictions apocalyptiques où les jeunes héros doivent toujours, une fois après avoir affronté les conséquences catastrophiques
légués par les adultes, doivent apprendre une nouvelle relation à l'environnement, doivent se construire une culture de la nature. Donc, au fond, on voit que derrière la dystopie se cache toujours un peu d'utopie. Le pari qu'on peut et on doit renverser le pire pour y mettre un peu de meilleur. C'est ce qui m'amène à penser que même la fantaisie est, je crois, un lieu de changement. Alors, vous savez que pour les adultes, la fantaisie est souvent très suspecte. On considère que c'est un lieu d'évasion et même de régression. C'est le lieu où on revient au sujet de l'enfance, les rois et les princesses, les magiciens et les dragons. Donc le lieu où on évite, au fond, une position d'adulte qui serait une position responsable et qui consiste à regarder le réel dans les yeux. Mais moi, je pense que la fantaisie, elle doit être prise au sens symbolique. La baguette magique de Harry Potter, c'est une métaphore. C'est une métaphore du pouvoir de l'imagination. Et si les jeunes générations ont choisi d'élire Harry Potter et d'en faire le phénomène planétaire, l'œuvre qui, dans l'histoire de l'humanité, n'a jamais eu autant de lecteurs, la seule œuvre dans l'histoire de l'humanité, c'est parce qu'elle fait passer un message au monde des adultes. Le choix d'Harry Potter, c'est de dire « Laissez-nous réenchanter le monde. Laissez-nous mettre du merveilleux dans une réalité qui en est privée. Laissez-nous mettre un peu de lumière, un peu de magie, un peu de rêve dans un quotidien qui est bien souvent trop terne et sombre et désespéré. » On ne change pas le monde uniquement avec du pragmatisme, de la rationalité, de la scientificité. On change aussi avec de la créativité, de l'innovation et de l'imaginaire. Donc je crois qu'en faisant le choix de toutes ces fictions, ces mêmes fictions qui sont souvent contestées, voire méprisées par les prescripteurs éducatifs et culturels, les jeunes générations sont déjà en train d'ébranler notre société. Je pense que nous sommes en train d'assister à un profond changement de paradigme. Pendant 2000 ans, la société occidentale s'est construite sur un modèle de transcription verticale. Les adultes, les aînés, transmettent aux jeunes une vision du monde, des valeurs, des idéologies, des choix de société et des choix culturels. Et effectivement, jusque dans les années 2000, quand on demandait aux jeunes leurs choix culturels, ils donnaient la littérature patrimoniale, réaliste, bref, le choix des adultes. Or, depuis 18 ans, depuis les années 2000, et pour la première fois dans l'histoire de la société occidentale, les jeunes ont choisi de s'affranchir de ce modèle de transcription verticale et de lui substituer un modèle de transmission horizontale. Le partage entre les pairs, l'échange via les forums, les blogs, les réseaux sociaux. Donc on voit bien que c'est un changement culturel profond. On passe d'une vision de la culture légitime, transcrite, prescrite, à une vision de la culture partagée, co-construite, collective. On passe d'une vision de la culture qui était très individuelle, très privée, à une vision qui est partagée. C'est tout le phénomène des booktubers, par exemple, qui montre qu'on a besoin d'échanger et donc de construire ensemble sa culture. Et enfin, c'est une culture qui n'est plus passive, mais une culture active. L'adulte, lui, il a souvent tendance à être dans une posture de révérence par rapport aux œuvres. On la contemple, on l'admire et on la garde pour soi. Le jeune, lui, il n'hésite pas à y participer, à la reprendre, à la retravailler, à la réécrire. Vous connaissez tous l'immense phénomène planétaire des fanfictions qui montre que, pour un jeune, une œuvre n'est pas tabou, elle n'est pas sacralisée, elle est aussi un lieu de créativité et d'innovation. Au fond, il donne prise à la parole de l'autre et le monde qui, au XIXe siècle, disait « La littérature ne doit pas être faite par quelques-uns, mais doit être faite par tous. » Donc le choix et la façon dont les jeunes pratiquent les fictions imaginaires, c'est une culture qui refuse l'élitisme et qui, au contraire, encourage le partage, la co-construction, la créativité. Donc, surtout, n'arrêtez pas de lire Harry Potter et Hunger Games. Continuez de regarder Game of Thrones et Black Mirror. Continuez de jouer à WoW ou à Assassin's Creed.